Eh bien, bonjour à tous et à toutes, mon nom est Hypnotique Marc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur MLB de Show 16, toujours en tant que membre du triple A des Dodgers de Los Angeles avec les Dodgers d'Oklahoma City. La dernière fois, on a perdu 3-0 le match All-Star Game. On a quand même bien paru. Cette fois-ci, on affrontera l'équipe du Reno, d'ailleurs qu'on n'a jamais affronté si je ne m'abuse. Donc les Aces de Reno face aux Dodgers. On est toujours bien devant dans notre division avec plus de 14 matchs de différence sur notre plus proche poursuivant. Bien entendu, on affrontera les Aces qu'on n'a jamais affronté. On verra si notre joueur va très très bien se comporter. On l'espère que oui. Vous êtes toujours aussi nombreux à regarder cette vidéo et à regarder cette série et je vous en remercie. Bien heureux aussi de reprendre un peu le tournage. J'ai été malade ces derniers jours, donc ça a été un peu plus difficile. Mais là, je vais bien. Je recommence à aller bien, en fait. Bref, Hypnotic Mark, une moyenne au bâton de cette année de 626, 25 coups de circuit, 63 points produits. Je vous rappelle qu'on n'a pas débuté la saison avec les triple A, on a débuté avec le double A. Allez, c'est donc parti, les amis. On est à l'extérieur et on commence par une fausse balle. Début de première manche donc. Une balle très très haute et ça semble être une balloune, je suis pas nécessairement sûr. Et voilà, retiré au champ pour Hypnotic Mark. Phil Gosselin, on voit qu'il est bien meilleur à domicile qu'à l'extérieur. Du moins au niveau de sa moyenne au bâton. Il y a un homme au premier but. La fin de la première manche. Et ce sera un double jeu très facile de la part des Dodgers d'Oklahoma City. On mettra donc fin à cette première manche. Toujours 0-0 entre les A's de Reno et les Dodgers d'Oklahoma City. On est en début de troisième. 1-0 Dodgers. Hypnotic Mark s'amène au monticule alors qu'il y a deux retraits d'inscrits au tableau des ficheurs. Et ce sera un simple pour Hypnotic Mark, son premier de la partie. André Etier, 0-1. 3 balles, 2 prises, le compte est complet, 2 retraits. On ne peut pas avoir un compte plus complet que ça là. C'est donc parti. Et on les sauve. Un simple réussi d'André Etier. Scott Van Slyke, 3 balles, 1 prise, 2 retraits. 1-1, il a fait un home around, donc un coup de circuit à la deuxième manche. C'est lui qui a permis aux Dodgers de mener 1-0. Et c'est un autre. Non, c'est retiré. Désolé, j'allais dire coup de circuit parce qu'il courait, mais non. Bon, ben c'est pas la fin du monde, on mène tout de même 1-0. 1-2 pour Hypnotic Mark dans le match. Début de 5e manche, il y a un homme au deuxième coussin. C'est l'égalité 1-1. Et un retrait donc. Directement sur la ligne. Et on a lancé au deuxième. On a bien fait de bouger parce que ça les a un petit peu perturbés que je me rende directement au deuxième. On a réussi à avoir un point produit. André Etier, 1-2 ce soir. Il a réussi à nous amener au deuxième coussin lors de sa dernière présence au bâton. On va voir si cette fois-ci ce sera réussi également. Il est retiré au champ. Deux retraits donc. On a toujours une chance avec Scott Van Slyke qui est 1-2. Après avoir réussi un coup de circuit en deuxième manche, il a été retiré en troisième manche. On est toujours au premier coussin. Et c'est un coup de circuit, les amis. Deuxième du match pour Van Slyke. Deux points produits pour lui.
5 à 1, on est en fin de cinquième manche. Frank Hyla. 0 à 1, aucun retrait, une balle, une prise. Un homme au premier coussin. On pourrait cependant permettre à notre équipe d'avoir un double jeu dépendamment comment la balle est frappée. La balle est très bien frappée et ce sera un double jeu réussi pour les Dodgers d'Oklahoma City. Début de septième manche, on perd 6 à 5, 2 en 3 de notre côté. C'est un peu dommage de voir que notre défense n'a pas nécessairement fait le boulot. Aucun retrait, ce qui veut donc dire qu'on est le premier frappeur pour cette septième manche dans ce match entre les A's de Reno et les Dodgers d'Oklahoma City. Une balle frappée très tard, mais qui est retirée au fond, malheureusement, au champ droit. 7 à 5, début de 9e, on a 2 en 4, un homme au coup, premier coussin. Il faut absolument soit un coup de circuit, soit un simple. Est-ce que ça passe? Et on réussit à faire un point produit. Et nous, on sera en deuxième. La balle qui a touché le mur. André tient un en 4, deux retraits, deux balles, deux prises. Il a le match sur le bout de son bâton. Va-t-il réussir à permettre à son équipe de l'emporter? Et retiré au champ, malheureusement, ce qui met donc fin à la partie défaite des Dodgers d'Oklahoma City face aux A's de Reno 7 à 6. Le joueur de la rencontre, les amis, on va voir qui c'est. Socrate Brito. En 4 présents sur bâton, il a réussi 3 coups sûrs, dont un coup de circuit. Fin de cette rencontre, donc. Première rencontre dans une série face aux A's de Reno. On va augmenter un petit peu, on a des points, on a des points. On est maintenant 66 d'overall, donc ça va. On n'a pas connu une trop mauvaise partie, je dois avouer. Bref, on est de retour, toujours à l'extérieur, pour y affronter les Aces. Hypnotique Marc, moyenne au bâton de 625, 25 coups de circuit, 65 points produits maintenant. Il y a un retrait, c'est donc le deuxième frappeur à s'élancer dans cette rencontre. Et un très beau centre qui permettra sans doute d'avoir un double là. Un double réussi pour Hypnotique Marc, assez facilement d'ailleurs. André Etier, bien meilleur à l'extérieur qu'à la maison. On l'a déjà vu réussir de très beaux coups sûrs. Est-ce que ce match-ci ce sera également le cas? Et on attend de se rendre jusqu'au marbre là. Il est sauf au deuxième. Un double pour notre cher André Etier. Il a un point produit là-dessus. C'est 3-1, début de troisième. On sait que notre avance ne veut pas rien dire, ne veut pas dire grand chose en fait. Et c'est considéré comme un coup de circuit, les amis. Passe à toucher un panneau extérieur. Coup de circuit d'Hypnotique Marc qui permet aux Dodgers d'Oklahoma City d'augmenter leur avance. C'est 7 à 1, début de quatrième. Là, en principe, là, les A's de Reno ne devraient pas nous rattraper. C'est très très haut, mais ce sera considéré comme une fausse balle et retiré en plus comme une fausse balle. On est de retour début de sixième manche, c'est 8-1. Et un simple de réussi pour Hypnotique Marc. André Etier en 3 ce soir. Lorsque Hypnotique Marc était au premier coussin, il avait réussi. Au deuxième coussin, en fait, il avait réussi à inscrire un double pour mettre des points en banque.
Et un simple réussi pour Andretti. Lorsqu'il Tick Mark est sur les coussins, on dirait que ça lui donne confiance. Scott Van Slyke, 2 en 2 ce soir, un excellent match. Lors de la dernière rencontre, malgré la défaite, il avait réussi à inscrire 2 coups de circuit. Il est retiré malheureusement au deuxième coussin. Et ce qui met donc fin à notre manche offensive. 9 à 7, début de 8e, 3 à 4. 9 à 7, ils ont réussi à revenir là. Ils ont une très très grosse puissance à l'attaque, il n'y a pas de doute. On va essayer de viser la ligne du côté des Tick Mark et pourquoi pas offrir un double pour porter la marque à 10 à 7. Une autre fausse balle. Et très bien réussi, ce sera... Ouais, j'aurais peut-être eu le temps de me rendre au deuxième, mais je préfère pas prendre de chance. J'ai même pas regardé en fait combien il y avait de retrait. Ah, il y en avait juste un, j'aurais dû y aller. Bref, 2 en 4. Il a réussi à frapper à 2 occasions lorsque Hypnotic Mark était sur les coussins. C'est 10 à 7 maintenant. Déjà d'ailleurs, je crois, le 70e point produit pour Hypnotic Mark dans cette saison. Retire au deuxième coussin. Milieu 8e manche, on mène en principe 10 à 7. On est à la fin de la 8e, 2 retraits. Donc un simple retrait permettrait de mettre fin à cette manche. Retiré au champ. Et on met donc fin à cette manche. En principe, on devrait l'emporter. 10 à 7, fin de 9e, aucun retrait, un homme au 3e coussin. Au premier, désolé. Mon erreur, 2 balles de brise. Double retrait réussi. Il en manque juste un et ce sera sans doute une victoire. Avec le signe de la foule, je réussis maintenant à deviner. Oui, victoire de 10 à 7 des Dodgers d'Oklahoma City face aux Ace de Reno. Ils reprennent donc leur revanche. Antonio Visperas, en 5 présences au bâton, il a réussi 3 coups sûrs et 3 points produits, dont 1 coup de circuit. Une belle victoire ici. On va regarder si on est capable de répéter l'exploit. Dans ce troisième match face aux Ace de Reno. Allez, c'est parti! 630 de moyenne au bâton, 26 coups de circuit, 67 points produits, 7 en 10 dans cette série. Donc 67 points produits, on essaiera de s'en rappeler. On approche des 70, mais on ne l'est pas encore. Je croyais qu'on en avait 69. Est-ce que la base sera assez longue pour... Oui, c'est un coup de circuit, les amis. On commence bien la partie, là. Les Dodgers qui vont mener 1-0. Début de quatrième, ils mènent 2-1. Retiré au champ gauche. 1-2. Début cinquième manche, un homme au premier coussin. 2 retraits. C'est l'égalité 2-2 entre les Dodgers d'Oklahoma City. Elle est Ace de Reno. Balle frappée très haute. Est-ce qu'elle traverse? Oui! Non! Le joueur a essayé un peu d'y aller mentalement pour pousser la balle vers la droite. Malheureusement, elle est allée vers la gauche et sera considérée comme une fausse balle. Fly ball out toward left center field. Calling for it, Brito. Retiré malheureusement. C'est 2 à 2.
On se rend donc en fin de sixième, c'est 4 à 3 pour Reno. Brandon Dewey s'amorce au bâton, aucun retrait, aucun homme sur les coussins. Un premier retrait d'inscrit. 5 à 3, 26e. Un homme au premier coussin. Non, non, au troisième coussin, désolé. Et voilà, on met donc fin à cette manche. Et mène tout de même 5 à 3, les amis, dans, après 6 manches. Nous, on est là en 7e manche de retrait. Mes coéquipiers juste avant moi n'ont rien réussi. On a la difficulté à enchaîner des victoires face à cet adversaire. Et un double réussi pour Hypnotic Mark. Alex Guerrero est là 0 en 2 ce soir. Il a eu un but sur balle en deuxième manche. Deux balles, deux prises, deux retraits. Et un simple de réussi, les amis. Et comme vient de dire le commentateur, je préfère pas prendre de chance. Robert Kluka, 2 en 3, 2 simples. On va voir s'il est capable de poursuivre la manche. Aucune balle, 2 prises. Et sur 3 prises, malheureusement. Ce sera donc au tour des Aces de s'amener au bâton. 7 à 3, début de 9e, 2 en 4. Un homme au premier coussin. À 7 à 3, ce sera assez difficile. Un simple réussi, cependant. Un en 3 pour Guerrero. Alors, s'il réussissait au moins un simple, nous aurions les buts remplis. Mais finalement, il sera retiré sur 3 prises. Lanceur des Aces fait bien son travail. 7 en 3. Début de 9e. Robert Kluka, 2 balles, 2 prises. Il avait été retiré sur 3 prises lors de la dernière manche. Alors qu'il y avait également deux coureurs sur les coussins. Et retiré une nouvelle fois sur 3 prises. Ce sera donc la fin de la partie victoire des Aces, les amis. Le joueur du match, Kurt Wells, en 4 présences au bâton, il a réussi 2 coups sûrs, dont un coup de circuit qui a mené à 3 points produits. Victoire des A's de Reno, 7 à 3 face aux Dodgers d'Oklahoma City. Il reste donc, si je ne me trompe pas, un seul match dans cette série face aux A's. Ah, et on ne joue pas, on est un pinch hitter. Donc on est là pour donner un peu de boost. Début de 8e, 3 à 3. Number 8 into the seats 0-1. Hit hard to short. Et on ne sera pas capable malheureusement d'aller chercher un simple. Et on a gagné parce que j'entendais la foule huer. Victoire des Dodgers 6 à 3 les amis. Le joueur du match, Scott Vice-Likey, en 3 présences au bâton, il a réussi un seul coup sûr. Mais c'était tout un coup sûr, un coup de circuit qui a mené à 4 points produits. Donc on a fini cette séquence face aux A's. On n'a pas joué tous les matchs. Ils nous ont laissé un peu sur le banc, guillemets, pour le dernier. Ce n'est pas la fin du monde, les amis. On va donc entamer dès maintenant la prochaine séquence, une séquence de 4 matchs face à Tacoma. Donc les Rainers
de Tacoma. C'est la première fois également qu'on les affronte, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. On est toujours premier de la ligue au niveau du nombre de points produits. On en a 68. Vous voyez qu'on n'a jamais affronté les Rainers de Tacoma. J'aime ça dire Tacoma. Allez, c'est parti contre les Rainers donc. Un autre 4 matchs. Il pleut. Et on est à l'extérieur. Hypnotic Mark, 626 de moyenne, 27 coups de circuit, 68 points produits. Lors du dernier match, il n'a fait que, il n'était que deux passages. Directement sur la ligne. Et c'est un double bien réussi. Scott Van Slyke, une moyenne au bâton de 296. 13 coups de circuit, 34 points produits. Il a reçu un coup de circuit de 4 points produits lors de la dernière rencontre. Aggressiveness bonus. 1-1, un double. Début de troisième, un homme au deuxième coussin, deux retraits, c'est 0-0 toujours. Retiré. On met donc fin à cette. Ben, on met donc fin. On s'en va au milieu de cette manche. 1-2, cinquième manche. Un homme au deuxième coussin, deux retraits. C'est sensiblement la même situation qu'on a vécu la dernière fois. Alors, on a une fausse balle. Et encore la même situation là. Début de septième manche, personne là. 1-3, on mène 2-0. Je m'attendais pas que la balle fasse ce mouvement en fait. Ça m'a un peu surpris. Deux fausses balles. Et une troisième fausse balle. Mais frappé avec un peu plus de force cette fois-ci. Et un simple, et on a réussi à lui faire lancer 4 balles. Scott Van Slyke est 1-3. Il a fait un coup de circuit lors de la 6e manche. Toujours 2-0 alors que nous sommes au premier coup ça. Il doit à tout prix éviter un coup sûr qui mènerait à un double jeu. C'est le cas avec un simple. Et voilà, donc André Etier 0-3, retiré sur au champ en 6e manche. Il est retiré une nouvelle fois au champ droit. Alex Guerrero 2-3, 2 simples. Je vous rappelle qu'il y a deux retraits, une balle de prise, toutes mes excuses. On mène 2-0, deux hommes sur les coussins. Le lanceur s'élance, et c'est un... Ouais, ça semble être... Voilà. On va tirer avec assez de facilité, les amis. On a quand même emmené 10 coureurs sur les buts. 2-4, début de 9e manche, on mène 2-0. C'est le moment de réussir à frapper afin de permettre à notre équipe de définitivement enlever cette rencontre. Très haut, je ne sais pas si ce sera assez loin pour un coup de circuit. Oui! Mais en fait, toucher le mur, un double.
Un seul retrait, Scott Van Slyke s'amène 2 en 4, un coup de circuit et un simple. Here comes the 0-1. Belted high in the air out to left. Castro racing back. He gets there. Retiré au champ. Était très très près cependant de traverser la clôture. André Etier, 0 en 4. Takes his turn now, looking to add some insurance. Une balle de brise. To their lead in the form of that run standing out at second base. Yeah, base hit right through the infield would probably do it, but you can bet those guys in the outfield are going to be coming up gunning if they get any chance at all. Castro has a read on it. Retiré au champ. So it's no runs on a hit, no errors in a main. Quand même, on a 11 coureurs sur les buts, on a seulement 2 points. Et une victoire donc des Dodgers d'Oklahoma City face aux Rainers de Tacoma, 2-0 les amis. L'homme de la rencontre est Mike Boslinger. En 8 manches, il a accordé seulement 8 coups sûrs, 2 balles, 2 buts sur balle en fait, et 5 retraits sur 3 prises. Une belle victoire de notre équipe. Ah, ils ont fait des échanges. Donc, les Braves ont échangé Paco Rodriguez contre Tom Shen et Kevin Sanchez. C'est donc parti, les amis, pour ce deuxième match face aux Rainers de Tacoma. 625, 27 coups de circuit, 68 points produits. On n'a pas bougé, si je ne m'abuse. Nos statistiques n'ont pas bougé. Pretty amazing numbers for him right there. So yesterday's performance, obviously no fluke. Hit high and deep out to left center field. Castro. Hey, c'est un coup de circuit. Un coup de circuit qui permettra en fait d'inscrire 3 points, les amis. Wow. 4-1, début de troisième. Number 7. Un retrait, aucun homme sur les coussins. Here's the first pitch to him. Liner toward right center. Et c'est tombé en lieu sûr. Et c'est un double réussi pour Hypnotic Mark. Jason Cleary, 0-1. It wouldn't be surprised to see him be a little more aggressive in this at bat. High and deep to left center field. Castro ranging back. Et c'est un coup de circuit réussi par Cleary. 2 points produits pour ce dernier. Et c'est 6-3 en début de quatrième. 2 retraits. 2-2 pour Hypnotic Mark. Well, sometimes, Matty, you're just flat out feeling it. Directement sur la ligne, très bien joué de sa part, ce sera simple. Jason Cleary en 2, dont un coup de circuit lors de sa dernière présence au bâton, 3 balles une prise pendant. Est-ce que ce sera un but sur balle? Oui, sauf, il a peut-être pensé qu'on allait voler, ce qui n'est pas le cas, surtout pas avec 2 retraits. Here it is on 3-1. And this pitch misses for ball. Sur 3 balles. Sur 4 balles, désolé. Robert Klucka, 1-2. Il a fait un double la dernière fois. Avec un double, cela nous permettrait de se rendre jusqu'au coussin et d'inscrire un point pour mener 7-3. Retiré cependant au deuxième coussin et ça mettra fin à cette manche. On est de retour donc au bâton en 6e manche, toujours avec une avance de 3 buts. Il y a un homme au premier coussin, il n'y a qu'un seul retrait d'inscrit. Et coup de circuit, 2-2 points produits pour Hypnotic Mark, c'est son deuxième coup de circuit de la rencontre. Début de 8e manche, c'est 8-6. Un homme au premier coussin, un seul retrait, c'est la même situation que tout à l'heure. Et avec le même résultat que tout à l'heure, 3e coup de circuit pour Hypnotic Mark. Waouh!
422 verges. Wow. Fin de cette rencontre. Victoire des Dodgers d'Oklahoma City. Ils ont remporté le match 10-6. L'homme du match, bien entendu, sera Hypnotic. Marque en 5 présences au bâton. Il a réussi 5 coups sûrs, dont 3 coups de circuit pour un total de 7 points produits. Et là, je peux vous dire qu'on a atteint les 70 points produits. Il n'y a pas de doute. On va jouer donc la prochaine partie, toujours face aux Rainiers de Tacoma. On va finir cette série avant de se laisser pour cet épisode. Le Tic Marc a maintenant une moyenne de 635, 30 coups de circuit, 75 points produits, 8-10 dans cette série. Un homme au premier, 2 retraits. Et un simple. Donc 9 en 11. Jason Cleary, 2 en 9 dans cette série, mais 2 coups de circuit tout de même. 2 retraits, 2 balles, 2 prises, 2 hommes sur les coussins. Retiré malheureusement au deuxième coussin. Début de quatrième manche, 1-1, toujours 0-0. Très bien joué d'Hypnotic Marc, ça lui permettra sans aucun doute. Il est sort au deuxième. Wow! De justesse, on va se l'avouer. Jason Cleary, 0-1. Il était retiré au champ lors de la première manche. Une balle, deux prises. Aucun retrait, cependant. Retiré au premier, mais on a réussi à se rendre jusqu'au troisième. Ace Guerrero, c'est la première, la première fois qu'il est venu sur la plaque, il a eu un but sur balle. Cette fois-ci, il a 2 prises, 1 seul retrait. Une balle assez loin nous permettrait... Et j'avais peur là qu'on se fasse prendre. La balle a été trappée tout proche de nous. Robert Kluka, 0-1, 2 retraits. Mais on doit réussir un coup sûr pour amener Hypnotic Marc. Au moins, inscrire le premier point de cette rencontre. Et permettre aux Dodgers de mener dans la rencontre. Et il sera retiré malheureusement au premier coussin. Le point ne sera donc pas compté. Sixième manche, toujours 0-0. Et ce sera un nouveau simple. Oui, Hypnotic Marc. On est en fin de numéro 7 hein, d'ailleurs. Cleary 0-2. 3 balles de brise cependant. Moi, je vais te retirer hein. Ouais, exact. Désolé, c'était moi, j'ai une bulle au cerveau. 3-3 bref. Un double, deux simples, c'est 1-1. Désolé, c'est toutes mes excuses. Grosse balle. Retiré, première fois là qu'on rate un coup sûr depuis un certain temps. Victoire malheureusement avec le bruit de nos adversaires. Victoire de 4-1, l'homme du match, Eric Sanchez, des Rainiers de Tacoma. Bon, ben, dernier match face aux Rainiers de Tacoma, et après, on va se laisser pour, de toute façon pour cet épisode de Let's Play sur MLB The Show 16. MLB The Show is on the air. Tonight, the finale of this. Hypnotic Marc 637, 11-14 dans cette série, 75 points produits, 30 coups de circuit.
Oh, très beau jeu défensif des Raiders. On est donc de retour au début de quatrième manche. C'est 2 à 1 pour les Raiders de Tacoma. Coup de circuit et les classiques marquent. C'est 6 à 3, début de cinquième manche, deux retraits, mais deux hommes sur les buts. Avec un coup de circuit, ce serait l'égalité, les amis. Bon, un simple, mais un point produit tout de même. C'est sa 4. Alex Guerrero s'amène donc. Deux balles, deux prises, deux retraits d'inscrits. Deux hommes sur les coussins, un au premier et un autre au deuxième. Ouais, tiré malheureusement. On se rend donc en milieu de cinquième. Début de septième, c'est 8 à 6, 2 en 3. Tout est encore possible. Je le connais, ce lanceur-là. Je le connais, on l'a affronté lors du premier match, je ne sais pas si vous en rappelez. Oui, très belle balle d'Hypnotic Mark. Hein. Cette fois-ci, on n'ira pas chercher. On avait réussi la dernière fois, mais j'essaie de pas trop prendre de chance. Étant donné qu'on perd cette rencontre, une balle de près 0 en 3 pour Alex Guerrero. Ah, c'est pas nécessairement le meilleur batteur qu'on a juste après nous. Un simple cette fois-ci, cependant. Il a fait son travail. Robert Kluka, 1 en 2. Aucun retrait. Retire au premier, mais on a un coureur au deuxième et au troisième. Alors, Antonio Visperas, 2 en 3, 2 simples. Merde, j'étais sûr qu'il n'avait pas attrapé. Merde. Désolé encore une fois, une de mes erreurs. Mes erreurs me font mal. Mais la caméra n'aide pas non plus là. Bref, 3 en 4, début de 9e. C'est nos dernières chances là. Toujours 8 à 6. Hypnotic Mark inscrira malheureusement le premier retrait. Et ce sera une victoire des Raiders de Tacoma. 8 à 6. Chris Taylor en 3 présents son bâton. Il a réussi 3 coups sûrs, dont 2 points produits. Ah, c'est dommage, on y était presque, mais bon, ce n'est pas la fin du monde. Merci d'avoir regardé cet épisode de MLB The Show 16. On se retrouvera très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si jamais ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!